Je veux porter, même si c'est le maillot d'entraînement, et connaître mes coéquipiers, connaître l'entraîneur. Et porter le maillot d'entraînement pour commencer les entraînements. Et j'ai vraiment envie, ça serait une fierté, ça serait une fierté pour moi. En TDI, me tengo que hacer la prueba del COVID. Entonces estoy esperando la llamada del doctor que me confirme que si puedo hacer la prueba el sábado después del partido y el domingo con la prueba hecha. La pre-liste eso si je me trompe pas, pas le 27 ou le 26, la liste est sort. Et jusqu'au 1er, la liste définitive devait sortir. Donc pendant tout ce temps, c'était un moment de pression parce que tu attends la liste, mais tu n'es pas tranquille parce que tu veux être dans la liste, tu as la pression, tu ne sais pas ce qui va se passer, si tu auras la chance d'être dans cette liste. Mais finalement, j'ai eu la chance d'être appelé et je reçois l'appel du délégué parce que, comme lui, je le connaissais avec les moins de 21 ans. Donc je reçois son appel, mais il me dit « Lago, félicitations, finalement tu es dans la liste. Après, je t'envoie le programme du voyage. » Là, j'étais dans les vestiaires. J'ai comme ça fêté, crié, j'étais vraiment heureux. Digo, bueno, papa, m'a llamado la sélection. Il dit, c'est comment? Non, te lo creo, non, te lo creo. Non, 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 non. En serio? Il dit, si, m'a llamado la sélection. Il dit, bueno, ahora te llamo, ahora te llamo. Et le tío no me llama, el tío no me llama. Le llamo, oye, pero tú no me vas a llamar. Pues el tío estaba ahí, se le mandó a llamar a todo el mundo en la casa. Digo, pero lo tiene que ser igual conmigo primero, ¿no? Mon père, j'ai une conversation avec lui. Il m'a dit que c'était une fierté, que maintenant je peux dire que je suis un joueur professionnel qui va porter le maillot de la sélection. Une sélection qui a joué où il y a Kolo Touré, Drogba Didier qui ont porté ce maillot la sélection. Donc, et ce sont des joueurs qui ont fait une fierté pour toute l'Afrique et pour toute la Côte d'Ivoire. Et pour moi, porter ce maillot, ça sera une grande fierté. Après le match contre Barcelone ici à domicile, je reçois un message de l'entraîneur qui me dit félicitations pour le match, que je t'ai suivi, pour moi tu es un bon joueur. Je vais continuer à te suivre, j'espère que tu auras de belles performances et je pourrai t'appeler avec l'équipe nationale. Papa. Mallorca, papa, goal. Comment célébras-tu le goal de papa? Gol, papá. A ver cómo haces. Gol, papá. Muy bien. El balón precisamente de Febas para Lago Junior. Este hombre sí que es peligroso. Este hombre sí que encara. Lago Junior en toda zona. Lago Junior puede tirar. ¡Golazo de Lago Junior! Moi, j'avais un rêve avec. Quand je suis arrivé à Mallorca, c'était de jouer en première division. Et en première division, essayer de me faire un nom et après avoir la chance d'être appelé en équipe nationale. Et finalement, ça a été ça. Donc, je joue en première division. C'est vrai que bon, la saison, l'équipe est descendue, mais j'ai eu la chance d'être appelé en sélection. Donc pour moi, ce sont des objectifs que je vais atteindre, mais après, il faut continuer. Tu es appelé en sélection, mais après, il faut essayer d'avoir une place maintenant avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Este es papá, ¿sí? Este es papá. Sí, no, este es todo. Este es papá. Este es papá. Sí. Este es papá, este. Este es papá, este sí, es papá. Este. ¿Dónde está papá? Toca papá. Papá, muy bien. Tírale un beso a papá. No, con la mano, así. J'ai pas pleuré, mais si, c'est vrai que... Et j'ai eu un peu plus de confiance parce que être parmi ces 26 joueurs, c'est une confiance, non, pour dire que je suis un bon joueur, que j'ai l'opportunité d'être parmi ces joueurs parce que je suis un bon joueur. L'entraîneur, il a vu mes qualités.
Mais j'ai pas pleuré, mais c'est sûr qu'au premier match, ou bien quand je vais jouer le premier match avec l'équipe nationale, c'est sûr que dans ma chambre, je vais me cacher pour pleurer, c'est sûr. Allez les éléphants!